qu'on peut acclamer Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Bonjour frère et soeur en Christ. Vous vous présentez? Je m'appelle Madame Bala et je suis de religion musulmane. Donc je suis la seule dans ma famille à avoir accepté Jésus et donné ma vie à Jésus. Amen. Donc ça fait depuis des années que je suis des vidéos de Baba par YouTube. Et j'ai un boulot qui me permet de suivre les vidéos de Baba. Et quand j'arrive au travail le matin, la première des choses que je fais, c'est me connecter et suivre les vidéos de Baba. Je connais presque toutes les vidéos par cœur. Mon mari et moi, on était beaucoup persécutés. Et un jour comme ça, j'ai pris ma Bible et j'ai commencé à lire la Bible. Et je veux aussi vous dire que j'ai des oncles qui sont presque des imams. Et je suis la seule à accepter Jésus. Amen. Et Dieu m'a fait vraiment grâce. Et quand papa était venu ici pour la première fois, pour la veiller, mon mari et moi, on était présents à deux reprises. Et quand il est venu ici encore, on n'a jamais manqué une veillée. Et j'ai toujours prié que papa ouvre l'église ici à Paris. Et Dieu a exaucé mes prières. Et je prie pour papa et pour papa de Soa qui sont toujours parmi nous. Et j'ai été persécutée dernièrement très fort parce que j'ai lu beaucoup la Bible et que quand on est combattu, je lisais le psaume pour voir un peu comment c'est et tout et tout. Et à chaque fois qu'on vient ici, qu'on suit les enseignements de papa, et quand il parle des aurores, je me mets le matin à 5h du matin à genoux pour prier. L'aurore, c'est 4h. Oui, 4h. Mais moi, je me lève à 5h, je me mets à genoux, je prie. Et par là, j'ai été persécutée. Vers le mois d'août, j'ai eu une phlébite au pied. Donc, c'est des caillots de sang qui se forment, qui peuvent remonter jusqu'au cœur. Et j'ai repris le boulot le 27 août. Le vendredi 31, je mets les pieds par terre, je n'arrive plus à marcher. Et mon fils arrive, il m'amène aux urgences. Arrivé là-bas, le médecin m'a dit, il faut qu'on vous garde. Et quand mon mari est venu, il en a parlé à maman de Sora. Et maman de Sora a dit de prendre l'huile d'onction. Et il m'a apporté à l'hôpital. Je m'étais dans mes repas et tout. Et un jour, on me faisait des injections dans les deux cuisses, matin et soir. Et le week-end, il y a un infirmier qui est venu. Et il m'a fait l'injection. Et sans anesthésie, bon, sans désinfecter l'endroit. Et j'avais aussi la perfusion tout le temps. Et ça me faisait mal. Et quand je l'ai appelé pour la perfusion, il est venu, il a arraché sa force. Et j'ai commencé à avoir mal. Donc j'ai commencé à invoquer le nom de Jésus. Il était dans la chambre, il était dans la pièce. Et je disais, quel que soit ton envoyeur, j'ai des programmes, tout ça, au nom puissant de Jésus-Christ. Et j'ai commencé à évoquer le nom de Jésus. Donc de là où il était, il entendait. Et il est venu pour commencer à me demander pardon. Le médecin, le médecin lui-même. Il s'est mis à genoux, il a commencé à me demander pardon et tout. Donc c'est pour vous dire, frères et sœurs, quel que soit votre problème, quelle que soit votre situation, que le nom de Jésus soit toujours présent dans vos bouches. Moi, j'ai expérimenté l'expérience parmi toute ma famille. Comme je vous dis, je suis la seule à venir à l'église, à donner ma vie à Jésus. Et depuis qu'on a connu papa, en tout cas mon mari et moi, on est tout le temps là à l'église. Et j'amène mes enfants aussi au Seigneur. Après, quand j'ai appelé maman de soirée et tout, et quand papa était là pour l'église, oui, là-bas, maintenant ça va beaucoup mieux. J'ai toujours des traitements. Et le collant que je porte, je suis obligée de les avoir pour fluidifier le sang et tout. Et c'est pour vous dire, quand vous donnez votre vie à Jésus, comment vous êtes persécuté, mais ayez foi en Dieu. Amen. Et quand vous avez foi en Dieu, vous pouvez vous déplacer de vous-même. Et depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai vu beaucoup de changements dans ma vie. Je me lève le matin, je lis ma Bible, je vais au travail, j'avais ma Bible avec moi. Donc, comme papa dit, éditez la parole et mettez-la en pratique, c'est très important. Amen. Et quel que soit ce qui vous arrive, ne vous découragez pas, ayez le Seigneur dans vos vies. Amen. Et vous verrez la
Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Et quand nous prions, mettons papa et sa femme dans nos prières. Amen. Que Dieu leur donne une bonne santé à lui et à sa famille. Amen. Et que Dieu leur donne une bonne vie. Et merci de tout le personnel qui est toujours avec nous et qui a toujours la patience envers nous. Et c'est très important que Dieu la glorifie. Amen.